Yo tout le monde, c'est AD. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais créer une nouvelle classe du coup. Bon, j'ai déjà 10 levels de sang, mais ça y est, je me suis chauffé. Je vais en faire une 11e. Donc c'est parti, on crée un personnage. Donc il me manque dans tout ça, il me manque ça j'ai. Il me manque le SRAM. Donc on est d'accord, il me manque le SRAM. Il me manque le SRAM, le Zobal, le Steamer, le Roublard. Ça fait que 4. Là, je pense que. Ah non, il me manque le Henny. Désolé, il me manque le Henny aussi. Je pense que je vais me chauffer pour soit le Henny, soit le Steamer. À mon avis, je vais partir sur l'Henny. De voir un petit peu les sorts parce que dans mon idée j'ai envie de faire un petit stuff haut du level 1 à 200 pour le plus rapidement possible. Donc en haut lui il a mon concussif 4 PA, sa PO, PO non modifiable, le mot accablant pour 3 PA, pas de PO modifiable non plus. Ça on peut même pas voir ce que c'est. Tellement le sort, la description est longue. Le mot vampirique. Le mot éreintant. De mémoire, franchement, Lenny, il rocks vachement. Et le steamer en haut. On a le courant pour 3 PA. Donc, alors attendez, ça fait quoi ça? Ça attire de 2 cases. La longue vue qui donne des PO pour 3 PA et l'écume. Oh, ça fait des bons dégâts, ça. Oh, j'ai envie de me chauffer pour Lenny quand même. Allez, on crée Lenny. La tête classique, masculin. On va lui donner un corps. Un corps. Noir ou bleu? Bleu, ça fait un petit. C'est pas mal. Pantalon. Si on fait ça, pantalon jaune. Les cheveux jaunes. Ça c'est le petit manteau. Allez, petit manteau noir. Et les ailes. Ailes noires. C'est pas mal. Ça me plaît, j'aime bien ces trois couleurs, j'aime bien les mixer ensemble. Donc ça va être parti, je pense. Ah, il faut lui donner un nom. AD. Bah, AD Heal. On peut pas faire plus simple. AD Heal, qu'est-ce qu'il y aurait de mieux? AD, AD. AD Heal, c'est bien. Allez, moi perso, je pars sur ça. Et je crée le personnage. On est sur Incarnam. On est sur Incarnam, du coup, on va vite se rendre à Astrub. Puis ça sera vite la fin de la première vidéo. C'était juste là la création du perso. Si ce que je peux faire, je vais monter jusqu'au niveau 10. À partir de là, je pourrai accéder à la banque. Et je pourrai enfin commencer à vous montrer comment je rush le niveau 100, le niveau 200, pardon. Donc je vais essayer de trouver des petits groupes de bouffetons. Bon, hop. Tac, toi, on s'en fout. Faire combien de fois? Deux fois, une fois, ça c'est quoi? Mon chaleureux, tac. Bon, désolé les gars, je vais XP super rapidement. Je suis en XP x4 et j'ai le bonus pack. Donc c'est pas du tout une aventure de zéro, hein. Je ferai ça bien plus tard. Pour l'instant, on va être sur un rush niveau 200.
j'ai le droit de m'aider de ce que j'ai déjà sur mes autres comptes. C'est surtout pour vous, hein, si vous voulez créer des nouveaux persos. Moi, je vous conseille de faire ça notamment pour rush les Doppel. Comme vous pouvez voir sur des vidéos que j'ai ou que je vais sortir, que faire les Doppel avec beaucoup de persos tous les jours, c'est ultra rentable. Franchement, il y a des millions de camas à se faire. Donc c'est plutôt dans cette optique-là. Et puis ben, pour vous donner des idées pour up le niveau 200 aussi, bien sûr. Allez, on est au niveau 7. On va se faire un petit groupe de 3. Oh, j'ai même pas monté les sorts, je fais ça un peu à l'arrache. Tac, et les points de caractéristiques. Donc ce que je vais faire dès que je vais descendre sur Astrub, l'idée ça va être de. Déjà, le jeu de me pare-shooter. Ultra important, les 100 pare-chauds en chance pour XP beaucoup plus vite. Trouver un petit stuff qui va bien jusqu'au niveau. Je pense que je vais trouver le stuff qui va bien du niveau 1 au niveau 110, on va dire. Et vous allez voir que je vais rester ultra longtemps sur Incarnam, quasiment jusqu'au niveau 100, voire plus. Plus rien ça. Franchement, ouais, sur chaque perso que j'ai monté, je suis resté jusqu'à Incarnam. Le Pio Saint-Jaune il rapporte 20. Et je vais aller mettre bien loin. 4 PM, on va faire ça. Tac. On va reculer. Hop. Hop. On lui retire un petit PM. Quand même, mais c'est pas grave. Tac, tac. Et il est fini. J'ai failli crever. Niveau 14, petit succès débutant. Paf, niveau 19. Excellent. Niveau 19 en 2 secondes. Donc, on va finir de monter le mot R1. Mot marquant, mot conclusif. On commence un petit peu. Hop. Et voilà. Bon les gars, je pars en direction d'Astrub. Je termine la vidéo ici. C'était une petite vidéo présentation, création du nouveau personnage. Donc Eneripsa, nommé Adéhil. Hop. On part sur Astrub. Je vais récupérer pas mal de stuff. Je vous crée sûrement une vidéo pour vous montrer comment je commence un nouveau perso sur un compte hein, où j'ai déjà des niveaux 200. Tac, on s'envole pour Astrub. Et c'est déjà la fin de la vidéo, on se retrouve très vite. J'espère que ça vous aura plu et que l'aventure Rush niveau 1 à 200 avec Eneripsa va vous plaire. Si c'est le cas, laissez un gros like, abonnez-vous, commentez. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao la famille.